Harry Potter. Bon, bonjour. Ouais. Bah on se gaine, hein, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Bah pourquoi ça me capture pas le jeu? Bah voilà. Capture-moi le jeu là-haut. On va essayer. On a un petit peu farm à côté, hein, j'ai pas tellement plus avancé que ça par rapport à la dernière fois. Donc tout va bien, je me suis juste un peu baladé, voilà, tabassé des gobelins, des mages noirs, bon voilà, bon. On a un petit peu régulé le coin, quoi, hein, c'est. Voilà, bon, là je pense qu'on va continuer la quéquette principale, hein, tout simplement. Échanger de tenue et Ah, tout. quel plaisir de te voir ici. Ouais, bonjour. Salut Nati, comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'étais Ouais. là et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux Trois Balais. Allez, trois Je balais, ouais. m'inquiète pour toi. Pour l'instant, tout va bien. Sans indiscrétion, pourquoi sont-ils à ta recherche? Ouais, non, mais je vais pas te. Oh, je. Ah, je sais pas Tu ne connais trop. pas Rockwood ni Harlow? Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à un élève de Poudlard? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Oh bah j'ai Rockwood et farmé entre Harlow temps, sont hein. un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout le D'accord. monde parle de ce que tu as fait pour défendre Pré-Hollard lors de l'attaque du troll. Et le C'est fou ça. moment où Sirona a tenu tête à Rockwood et Harlow aux De Trois fou ça. Balais, inoubliable. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte Matabeleland, pas c'est où rester ça? les bras croisés pendant Les qu'ils fans de Harry détruisent mon Potter, nouveau foyer. c'est où ça se situe? Ah, ça peut être dangereux. Rockwood et Harlow sont déjà très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. J'avais entendu dire qu'ils avaient été vus ensemble à Pré-Hollard. Ouais. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Ah! Peut-être, mais ce n'est pas à Non mais on l'officier peut senior de juste aussi s'occuper les de Harlow. arrêter, pas Je me suis besoin de les entretenue tuer avec elle. forcément, Elle hein. s'est montrée polie, Non mais. mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les Non mais c'est détails des avec méchants du l'élève. coup, si on les tue, ça J'ai va quoi. entendu la bande de Rockwood C'est sûr. parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. En bande Je me suis dit organisée. que nous pourrions mener l'enquête, essayer de Et. trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Mais Je comment? vais ouvrir l'œil Comment pour qu'on fait? découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, Oui. n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Ah mais Nati. j'ai pas besoin de toi, du coup ça ira. Sois sur tes gardes. C'était juste pour du blabla du coup? Bon allez, bah, c'est pas ton temps moi là, hein. Faut sauver le monde là. Faut sauver le monde. Bon alors j'ai pas de quête où c'est que je dois aller là. Carte de près du près du lard. Hein. Carte du monde. Non bah j'ai pas l'air d'avoir de. Moi que ça s'est pas encore mis à jour. Hein. Pardon? Comment osez-vous me menacer? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah. Oui, tweet, oui, pouille, police, pouille. Il est bien le jeu. Bah écoute, ouais. Il est super anti d'ailleurs, hein. Mais ouais, il est vachement cool. Il n'y a rien à Ils ont voir dû avec passer les par autres jeux là. Harry Potter où Réfléchis. bon, t'es juste avec ta baguette. Voilà. Charge un peu plus Dis-moi, sympathique. j'aurais vu qui, selon toi? J'aurais vu Je suis faire. occupée avec mes Ah non, il n'y a pas recherches. dit. Ouais. Je Pardon. n'ai pas le temps de. Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire deux mots. Un Ah élève? Tu n'es pas certain. J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Attention, hein. Stupéflip! Stupéflip. Incendio. Bah voilà. Voilà, par exemple, voilà. Tu Ah. Bon, lui, on le tue. Voilà. Mais c'est ciao! Un autre Mongolito? Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Je suis Dark Sasuke, j'ai une réplique qui tue! Viens par là, petite insolente! Je peux les repousser! Bon, bah voilà. Lâche! Ah, mais c'est un peu de la triche, hein. J'ai un peu farmé, hein. Ouais, niveau 18, ça. Vous êtes que des Sgeggito, viens par là.
Ah oui, c'est sûr, voilà, bah oui. J'ai le vertige. Pas de vertige, bah attends. Attends, je me permets. Je me permets, voilà, vas-y, lève-toi. Voilà. Allez. Oh là là, c'était dur. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je n'avais jamais été agressée de la sorte. Et si près de Poudlard? Ah, c'est les jeunes, hein, les jeunes d'aujourd'hui. Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Ouais, vrai, bon, le. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Des serpents cendres? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ouais. Ils s'intéressent à vous. Encore Victor, celui-là. Histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. J'en ai déjà buté 40 avant eux. On peut bien poursuivre notre lancée. Vous menez des recherches ? Nora Treadwell à votre service. Historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Ah oui. Ah, j'ai déjà entendu parler de lui, ouais. Extraordinaire, c'est incroyable. Hein. De la légende du roi Arthur ? Oh, un truc de fou ! Oui, oui. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations ? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout ? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. C'est cool ta vie. Je les ai créés pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Ah, c'est fascinant. Hein. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne ok, attends, je t'enregistre, vas-y. J'ai compris comment il fonctionnait. Ouais, voilà, non, mais c'est un secret, je le garde pour moi, t'inquiète. Fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce ? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Ah oui. Je venais vérifier ma théorie. Ah, Merlin, il devait se faire des grosses plifs aussi. En étudiant, ça, il le dit pas trop, ça, hein, mais. Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Bon, écoute, là, on n'est pas en cours, hein. T'es pas obligé de me faire. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tête. Où ça ? Les loutes, là. Le coffre ? Oui, servez-vous généreusement. Le coffre, là, les loutes, là. Vas-y, là. J'ai donné une loutes, là. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers, là. Ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ses éléments. Oh, c'est un tuto. Et nous verrons bien ce qu'il se passe. Hortab, move douce. Non, c'est pas là. Il faut se mettre là. Ok, je me mets là. Utilisez move douce, ok. Voilà. On lance ça comme ça. Il est marié. Hop. Vous avez vu? Oh, les plantes ont disparu! Ça s'allume! Mais je sais, ça, voilà! Sombrer le bûcher! Je me demande à quoi servent ces bûchers. Incendio! À quoi servent les bûchers? Oh là là! Je me demande c'est quoi l'énigme! Je suis en train de la résoudre, hein! C'est là, peut-être pas vu parce que. Oh, mais encore un qui dit ça! Par la barbe de Merlin! Vous faites chier, quoi! Quelle journée! Personne dit putain de merde. Oh, pas, bah non, la barbe de Merlin, oh là là. Oh, le viaduc de Montaigu, putain. J'en déconne. On peut appeler ça une réussite. Par la digue de Montaigu. Mais j'ai en... Pourquoi oh, t'es chiant, t'es chiante, c'est bon là. Si vous. Voilà. Faites bien attention surtout. Oui. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Oui, bah c'est ça. Toi. Bon. Merci bien, hein, bravo. Il y a un coffre là. Revelium. Le Revelium. Voilà. Sœur Nicolas, le fantôme de notre maison te cherche. Tu peux le retrouver près de la grande salle. Elle m'a envoyé un courrier. Elle m'a envoyé. Non mais c'est pas des messages vocaux, c'est des. Plaisir de vous revoir. Oh là là ta gueule.
C'est pas des messages vocaux, c'est des hibou express, ça a rien à voir, ça a rien à voir. Ah oui, oui. Allons, Poudlard, oui, allez. C'est parti. Moi, je suis pas non plus un gros fan d'Harry Potter, mais c'est vrai que le jeu, j'aime bien quand même. Ouais, c'est bien ce qui est, oui. Voilà. Le petit coup de pied en partant, là, voilà. Non mais running gag, à chaque fois quand on passe, les mecs ils s'échangent des coups là, voilà. Bon. Vous là, oui vous, je me demandais si vous pourriez m'accompagner un instant. Oh c'est pas vrai. Vous vouliez me voir monsieur? Monsieur? Oui, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, à votre service. C'est un honneur, Sir Nicholas. Ah, c'est pas je lui qui s'enlève la tête, non, il y a pas... Il y a une scène dans un film, je trouve. Je peux peut-être vous aider. Suivez-moi si vous le voulez bien. Ce n'est pas très loin. Attendez, comment savez-vous pour le livre? Et aussi qu'il manque des pages. Les informations circulent entre fantômes. Monsieur Palot et vous avez été aperçus dans la réserve de la bibliothèque. Pas d'inquiétude, je garderai le secret. Ouais. Il veut pas courir, non, le gars? C'est peut-être une conclusion hâtive, mais je crois savoir qui a récupéré ces pages. Je serais ravi de vous conduire à lui. Je serais ravi. Et elle avoue un peu. Rendre un petit service en chemin. Mais comment ça, allez. Ah, je te suis toujours, hein, bouge ton cul, hein. Un petit service en échange de ces pages. Oui, ce n'est pas grand-chose, vraiment. Je vous saurais gré d'aller faire un saut dans la cuisine pour vous procurer un peu de roast beef avarié. Ouais, du roast beef avarié, il veut... Je vous demande pardon. Un roast beef? Un roast beef avarié? C'est exact, du roast beef avarié. Du roast beef avarié? Oui, du roast beef avarié. On peut presque en sentir le... Rebellion. Oh, je devrais pouvoir m'en charger. Mais pourquoi moi? C'est très simple, mon jeune ami. En tant que fantôme, je ne peux le porter. Et il peut même pas le manger non plus, s'il veut, il peut pas déjà le porter, alors pourquoi il veut de la bouffe, ce con? À présent, si vous voulez bien récupérer le roast beef, je vous expliquerai tout le reste en temps voulu. Putain, c'est quoi ça? Nous y voilà. Chatouillez la poire et entrez. Comment ça, chatouillez la poire? Oui, la poire, il y a une poire à lavement, non? Il y a quoi, il y a quelque chose? Pas déranger les elfes de mes... Faut titiller la poire. J'imagine déjà le déjà du roast beef à varier. En plus, c'est encore ça. On tourne autour du tout petit. Écoutez, écoutez. Bon, allez. Un élève dans la cuisine? Mais pourquoi? Les élèves sont... Pour faire, j'imagine. Tu sais à quel point les humains mangent quand ils sont en pleine croissance. Ah ouais. Putain, voilà. Voilà. Il y a un de mes potes qui joue au jeu aussi. Voilà, il m'a montré ça, là. L'hygiène est un peu... Hein. Ça sent très bon ici. Ça sent très très bon. Pas de la bouffe gratos. Ah, voilà. C'est bien, on les voit en train de pétiner de la viande avec leur panard là. Et puis bon, derrière ça, on bouffe. On va continuer de chercher. Bon, c'est bon, ouais. Là, je suis pas cuisinier parce que du coup, je peux pas faire de remarques un peu. Ah. Réveillon. Ah là, on t'a vu toi. La table. Oh, déjoute là, déjoute là. Oh bah ils l'ont même pas rempli, la citrouille elle est vide là. Il enlève les la pulpe. Bon salaud, une sacrée descente. Bon alors
Bon, ça doit être par là, c'est vers les viandes. Casse-croûte. Délicieux. Ah bah oui. Vous avez... Bon, je suppose qu'ils ont pas de frigo, parce que bon, l'hygiène est déplorable, alors. Hein. Une petite pomme, là, ouais, bon. On se régale. C'est sur la table, non, peut-être. Oh, quelle odeur répugnante. Je ne dois pas être loin. Ah oui, oui. Oh, un élève. Mais quelle chance. Qu'est-ce qui vous fait? C'est appétissant. Qu'est-ce qui vous fait? J'ai juste besoin de ce roast beef avarié. Ah, c'est Nick qui vous envoie, n'est-ce pas? Servez-vous. Merci. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci pour le roast beef. Mais de rien. Et le plaisir est partagé. Alors pour le moment, on fait le gentil, mais vous allez voir. Dès qu'on trouvera le moment déclencheur pour basculer du côté obscur, c'est éclaté. Hein. Alors là... J'ai cru que tout cela se passait juste sous nos pieds. Ah, sous nos pieds. Sous nos pieds. Sous nos pieds, hein, voilà. J'ai bien mérité un casse-croûte. Ah bah, il est plus là. Délicieux. Oh. Action. Eh ben hop là, ça part en potage. C'est parti. Ah, vous revoilà. Aucun souci, je présume. Aucun souci. Pourquoi ces salutations? Un peu la voix de Samy dans Scooby-Doo, mais en plus vieux, quoi. Eh ben oui, Scooby. Bon, allons porter ce roast beef à Sir Patrick de l'année Podmore. Cela devrait vous aider à trouver ces pages. Tout cela est bien mystérieux, Sir Nicolas. Que se passe-t-il? J'en suis navré, je m'emporte un peu. Sir Patrick dirige le club des chasseurs sans tête. Un groupe de fantômes décapités qui se réunit pour différentes activités... Et pour chasseurs sans tête? Et oui, vous verrez bien. Bref. J'ignore pourquoi, mais un membre du club, Richard Chouka, détenait ses pages quand il était en vie. Mon plan consiste à apporter le roast beef avarié à Sir Patrick pour qu'il m'autorise à entrer dans le club pour parler à Richard Chouka. Allons-y. Très bien. Oh, mais... Bon, bah, oh, bah... C'est bon, là. Oh, le lore, petit... C'est le lourd. Tu m'entends bien, mon petit? C'est le lourd. Bien sûr. Oh, il joue à la balle avec une tête, là. C'est ça, la blague? Restez derrière moi. C'est Sir Patrick qu'il nous faut. Oh, Nestor, regardez qui est là. Nous en avons déjà parlé, Nick, quasi sans tête. Bonjour, Sir Ramset. Permettez-nous. Nous avons quelque chose pour Sir Patrick. Il est sans doute venu pour nous supplier encore. Il vous parle toujours de cette façon? Ah, ils sont taquins. Quand Sir Patrick m'introduira dans le club des chasseurs sans tête, je serai des leurs. Ce cadeau le convaincra sûrement. N'oubliez pas pourquoi je suis là. N'ayez crainte, vous aurez bientôt les informations sur le jeune Chouka. Ou qu'il se soit fourré. Je donnerais tout pour une cruche d'hydromel ou un bon gigot d'agneau au flageolet. Ces festivités seraient alors parfaites. Mais il peut pas manger. De l'eau presque aussi bien. Sir Nicolas, et une jeune personne, que faites-vous ici? Nous avons un cadeau pour vous. Cela me paraît louche. Que voulez-vous réellement? Même si je crois savoir. Ah, voilà. Eh bien, c'est Richard Chouka. Où peut-on le trouver? Pourrait-on lui parler? Richard, c'est ça? Eh bien, il se trouve juste ici. En revanche, sa tête manque à l'appel. Je suppose que vous ignorez ce que ça fait, Nick. Non. Quel plaisantin. Elle doit bien être quelque part dans les parages. Ah bon, on va devoir aller le chercher, non? Un jeu. Si vous la trouvez, je vous donne l'autorisation de lui parler, jeune mortel. C'est le moins que je puisse faire pour vous.
qui m'a porté cet exquis présent putréfié. Il peut. Sœur, j'aimerais discuter d'autre chose avec vous. Je vous prie. Sœur Nicolas, combien de fois devrais-je vous le dire? Nos règles sont parfaitement claires. Mais sœur, je... Nous ne sommes pas les chasseurs sans tête à part un petit bout de tendon, après tout. À présent, permettez que je vous raccompagne jusqu'à la sortie. Ah, parce que lui, il a dû se faire décapiter, et puis c'est mal coupé, je suppose. Vous aurez plus de chance que moi. Il a reculé son crâne, il était encore attaché. Quelle belle nuit pour faire la fête. Traverser un pont, bougie allumée. Ok. Une carte. Elle semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant. Attends, on pouvait rentrer par là, là ? Non, c'est pas pour tout de suite. Ok. Qui sera le prochain à jouer à cache-cache au milieu des citrouilles ? C'est encore moi. Pouvez-vous m'aider ? Oh, vous n'êtes pas avec Sœur Nicolas. Hein ? Est-il passé ? Pas du tout. Je dois parler à Richard Chouka. Sœur Patrick dit que sa tête est peut-être dans les parages. C'est bien possible. Il serait peu orthodoxe d'inclure un mortel, mais... Si vous voulez vraiment lui parler... Oh, et puis pourquoi pas? Vous pourrez parler à Chouka si vous trouvez sa tête parmi ses citrouilles. Et pas qu'une fois, 5 fois. Ce bon vieux dame Fred déplacera la tête chaque fois que vous la trouverez. Voici. Oh, mais c'est un gamin! Ouais, bon. Si c'est la condition pour parler à Chouka, alors je le ferai. Super! Oh, super! Bien entendu, votre baguette vous donne un avantage sur nous autres fantômes. Il vous suffit de tout faire exploser. Oui? N'oubliez pas, la partie continuera tant que vous ne l'aurez pas trouvé 5 fois. Sa voix, elle a changé là, elle est commencé à partir en couille! Lancez des sorts jusqu'à ce que vous le trouviez. C'est pas vrai! Oh, je suis bien, ouais. Bon! Moi aussi, je pourrais le faire si j'avais une baguette. Je crois que nous allons devoir nous trouver une autre citrouille. Ah, c'est ça, cherche ta citrouille, vas-y. Je suis pas sûr de beaucoup apprécier ce qu'il se passe. Normal, un coup de réparium, mais puis c'est bon, hein, y a... les citrouilles sont. Voilà. Flambonne. Ça continue encore. Voilà, allez. On va fouiller, ouais. Hop là, voilà, tac, tac, tac. Elles ont pop là, ceux-là, non? Ah, mais elles repop les citrouilles, bah ouais! Bah, je le vois, ça tremble là-bas, là. Et voilà, ça recommence. Bon, bah après, si c'est des citrouilles qui tremblent comme des connards, allons, ça va être vite fait. Qui aurait cru qu'un simple être mortel puisse être aussi doué? Être aussi doué, oui, d'accord. J'éclate tout, hein. Bah voilà, bah Revelio, voilà. Tout paraît trop simple. Revelio. Oh bah c'est dingue, il met son sort Revelio, le truc qu'on apprend frame 1 à Poudlard. Et après il agite sa baguette, c'est fou ça. Bon travail. Bien sûr, avoir une baguette vous a aidé, mais je pense tout de même que des félicitations sont de mise. Bah oui. Pas mal pour un être mortel. À présent, dites ce que vous avez à dire à ce brave Chouka, vous l'avez mérité. Chouka Blivier. Mais qu'est-ce que cela signifie? Vous n'êtes pas membre du club des chasseurs sans tête? Oh, bien vu. Sœur Nicolas m'a dit que vous pourriez savoir où se trouvent certaines pages que je cherche. Bonne déduction, Sherlock. De Merlin, je vois très bien desquelles vous parlez. Je les ai volées à Peeves. Comment ai-je pu oublier? La carte sur ces pages m'a mené à ma perte. Je n'étais pas prêt pour ce qui m'attendait dans cette grotte. Ces pages sont sans doute en train de moisir en compagnie de mes... restes. Une sacrée aventure.
il me faut bien l'avouer. Ce sont ces pages qui vous ont coûté votre tête? Je dois donc me rendre dans une grotte et retrouver votre corps. Oui. Ah oui. Mais même un fantôme décapité fait l'amour en entendant le mot « cadavre ». Dites, j'ai une idée. Ah oui. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène sur place? Bah bien sûr. J'ai besoin de ces pages, donc je ferais mieux de vous retrouver. Merci. Je vous en prie. Je dois juste retrouver mon corps d'abord. Mais Domfrey peut se charger de cela. Retrouvez-moi près de la forêt. La forêt interdite, j'y suis allé... Enfin, c'est fort interdit, mais bon, c'est open bar, quoi, hein, donc bon, lui dire... Alors, c'est par où? C'est par là, hein. Attends, y a le TP, c'est bon, hein. On a déjà pas de balai pour se déplacer, c'est bon, quoi. Carte de monde. Ah, ça s'est pas mis à jour, attends. Faut attendre. Voilà. Merde. La carte. Ah bah merde. Ah c'est par une autre entrée, ok. Bon allez voir là, hop. Ah la forêt elle est grande, hein, c'est sûr. Ah c'est un amas de arbres. Un amas d'arbres. Qu'est-ce que vous mijotez? Mais c'est les fleurs là qui font ce bruit, putain c'est vrai, oh là là. Bon bah voilà. Des champignons, hop. Non mais on dit de la forêt interdite, mais en vrai c'est chill. C'est tranquille. Et là il y a des mages noirs. Et là les mages noirs. On va faire une petite démo. On est sur niveau 18. Ah. Si tu ne sors pas, c'est moi qui viens te chercher. Ah ouais, bah attends, t'inquiète, hein, te prends pas la peine, va. Ah bah il vient quand même, non? Il vient quand même le bougre là. Le silence me fait imaginer des choses. Le silence me fait divaguer. Incendio. C'est chaud. C'est pathétique. Voilà, ça se passe très bien. Oh merde. Ah c'est une costaud ça, c'est une gaillard. Voilà. Ah bravo hein. Alors, comme je disais, la foi interdite. C'est chillax. C'est tranquillou quoi. Et c'est place à la magie. Revelio. Ah ah. Oh, je suis full. Oh c'est chiant. Trop relou, attends. Ça peut pas On va se vider. Alors, attends. On a pas de la merde là. Ouais, attends, on va se débarrasser de 2-3 conneries là. Ouais, non, alors les lunettes c'est bien, voilà, mais bon, voilà, hein, voilà. Merde, je me suis enlevé. Je ne peux pas encore faire ça. J'en reviendrai. Attends, c'est à cause du chou là qu'il peut pas. Les sorties de désarme. Oh là là, c'est pas vrai.
de désarmement. Reprendre à désarmer. Et puis ils veulent pas m'indiquer où c'est qu'on apprend. Quand je veux apprendre, je veux le savoir. Je veux le savoir. Alors attends. J'ai pas d'indication où apprendre ça là. On me dit pas les choses aussi, hein. Non mais. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Mais on t'a pas sonné, toi. Hein. Oh, oh. Vas-y, on t'a pas sonné, là. Vas-y, là. Alors, attends. Quête. Expelliarmus. Bah, ça doit être ça, voilà. Oh, je l'ai pas noté, je suis un connard. C'est ça la blague. Ah si, pas lourd. Pas le GPS là. Réussir à esquiver les attaques ennemies en effectuant des roulades. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il faut encore qu'on se retaille. Hein. Ah mais mon devoir c'est de faire 10 esquives, putain. Et après je vais aller voir la prof. Ouais, allez, ok. Ah mais en fait, non mais en fait je suis con, à ce compte-là j'aurais dû directement me TP dans la forêt quoi. C'est pas vrai, on va y arriver, on va y arriver. Hein. Et ben hop là, voilà, on est au milieu de la forêt, ça va bien se passer. Ça va être top cool. Ça c'est déjà comment la roulade, qu'est-ce que c'est ça? C'est qui dit ça? Tel quel? Ça se bagarre là? J'espère que tes affaires. Une esquive! On dit que tu es difficile à atteindre. On dit que tu es difficile à atteindre. Nicky la ressource. Hop là. Hop là. Hop là. Pas besoin de magie, vous voyez. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Impeccable. Bon, maintenant, je décorasse. Oula, oula. Ok. J'ai un petit freeze, mais trop bien. C'est bon, assister au cours de défense. Contre les forces du mal. Ok. Ah, ça va bien se passer. Je retourne à Poudlard, et là le mec me dit bravo, t'es qu'un connard. Est-ce que ça m'a bien mis. Ouais, devoir machin mes couilles, ok. Ah, c'est pas vrai, putain. Faut que j'aille où là? Carte du monde. Ça me dit d'aller à Poudlard là. Et bah alors? Attends. Mr. Baguette, FDIC, oui. FDIC, ouais. Non, mais là, on est sur. C'est de la magie. C'est de la magie noire, là. C'est interdit. C'est interdit, la magie noire. Ah bah putain, c'est à 30 mètres, voilà, impeccable.
Le jeu manque encore un petit peu d'optimisation, donc si 10 fois l'FPS varie, paniquez pas, hein, voilà. Don't panique, appuie sur F. Faut avancer dans le temps, appuie sur F. Oh merde, c'est pas là. Après ça, je dois retourner la voir dans la salle de défense contre les forces du mal. Bah elle est là. Putain, je l'ai pas fait gaffe. Professeur, je me demandais, avez-vous étudié à Poudlard? Oui, je suis fier. Non, au lycée. Je vois. Quant aux élèves, même si... Non mais là, je... c'est pas par rapport à la quête, là. Ah, c'est terrible. Quoi que... Voilà, merci. Bah si c'était au cours, là, à ton avis, je vais faire quoi, là? Appuyez sur F. En ouvrant la carte, en appuyant sur F. Je suis con, moi. Hein. Ouvrir la carte. J'ouvre la carte. F. Voilà. Non, mais quand on lit, vous voyez, ça va tout de suite. Allez. J'espère que vous avez fait tout ce... Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. J'ai fait 10 roulades. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Pour le gameplay, ouais. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Ouais. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Oui, bon, elle est très stable, ma baguette. En faites pas, madame. Comme ça. Beau travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Alors, Expelliarmus. On va le mettre là. Poui, 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 poui. Expelliarmus. Voilà. Le mannequin, il est où? Il est là. Vous avez l'air de progresser, mais continuez de vous entraîner. Expelliarmus pourrait vous sauver la vie un jour. Incendio. Oh la sale bâtard. Oh non, t'en vas pas, sale bâtard. T'en vas pas. Là. Sale bâtard. Voilà, c'est ça, ouais. Action. C'est ça, puis tu casses, mon gars. Merde. Voilà. Et le forêt noire. Forêt noire. Forêt interdite. Hein. Forêt noire. Et ok, nous pas du dessert quoi. C'est rien à foutre quoi. Ah, c'est plus près, je suis con moi. Vas-y, voilà, voilà. C'est bandit. Et bon, on est parti, allez. Aigle royal. Ah, c'est pas un aigle royal, c'est un machin là. Un joueur du grenier, merde. Un je sais plus quoi. J'ai plus le nom. Me voilà, comme je l'avais promis. Bonjour. Vous revoilà, Richard Chouka. J'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir. Seul un griffon d'or oserait braver la forêt interdite en quête d'aventure. Bien dit. Bon. Et si je serais serpentard, ou qu'est-ce que vous auriez dit? Seul un élève de serpentard. Ouais. J'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort. Essayez de trouver un bain d'oiseaux. Lorsque vous l'aurez découvert, dites intramuros. Je crois que c'est du latin.
ou du grec. Comme vous vous en doutez, je n'ai jamais été très attentif à l'école. Faut changer les O et les S des fois, ou les A même parfois, puis c'est bon. Hein. À part le bain d'oiseau, y a-t-il autre chose auquel je dois faire attention? Tout à fait. Il y a plusieurs repères. Un pont en pierre, une cascade et un lac, si mes souvenirs sont bons. Cela m'aide beaucoup. Pont, cascade, lac. Il est surprenant et malheureux de voir à quel point ces souvenirs me reviennent. Oh, c'est triste, hein. C'est triste, mais il faut que j'avance pour le balai. Oui. Vous savez, plus on se rapproche, plus les souvenirs me reviennent. Ah oui, ah, je me rappelle. Il vaudrait mieux que je vous laisse faire. Restez sur ce chemin et cherchez un bain d'oiseau. Adieu. Ou au revoir. Je vous le souhaite. Adieu. Bah, comment ça? C'est-à-dire... Non mais l'araignée. Oula. Un malin. Oula, c'était pas prévu. Ah bah voilà. Une embuscade. C'est bon. Impeccable. Incendio. J'aime bien le bruit du feu là. MRD, MDR. Ouais. Bah oui, hein. Voilà la cascade. Shuka n'est peut-être qu'un voleur, mais il a dit la vérité. Et il a pas dit voilà. Bon. Voilà. Seul petit inconvénient. Bon bah voilà. Un puits. Le lac. Voilà le lac. Il y a une atmosphère étrangement solennelle ici. Ah, c'est très solennel. Hein. Majestueux. C'est ce que je me suis dit. Ça a l'air très solennel ici. Ça correspond à la description faite par Richard Shuka. Chuchoter le mot de passe. Et le chuchote ou merde? Ah bah non, le nid d'oiseau. Putain, je suis con. Intramuros. Oh. Je maintiens la baguette. Attention, hein. Tu serais pas un peu loin de chez toi? Tu serais pas... Je savais que vous finiriez par nous mener à votre cassette. Voilà. Bon, toi t'es chiant mais que t'es bouclier, voilà. Contratio. Ces fidèles ne risquent plus de prévenir Ranrock maintenant. Alors, infidèle. Voyons un peu ce que Shuka voulait me montrer. On s'en va sans dire au revoir. Le tombeau de Shuka. Le tombeau de Shuquette. Ah ben vous saurez que les jeux de mots ici, c'est sacré. Je me demande à quel point c'est grand. Ah ben on va savoir. Voilà. Ah, il y a un or, je pose. Je peux tirer sur le symbole, mais il ne reste pas allumé très longtemps. Je dois allumer les trois avant la fin du temps imparti. Oh, y a pas d'or, hein, c'est juste pas spammé. Oh, c'est joli.
Les visiteurs étaient pas les bienvenus ici. Je veux mon balai. C'est pas pour faire le ménage, hein. Ah si, faire le ménage, mais d'une autre manière, quoi. Oh bah c'est comique. Incendio. Merde. Les vieux sont... Stupéfix. Ok. Stupéfix. Mon muscade. Stupéfix. Tiens. Vous savez que je n'ai aucune peine. Bon, le chemin doit être par là, mais bon, là, il doit y avoir des loot. Bonsoir. C'est ici la fête. Merde. Legioso, action. Incendio. Stupéfix. Voilà. Ah bah voilà, c'était plutôt voilà. Hop là. Une cape celte, bah super. Hein. Ouais. Je préfère un kilt carrément. Hein. Tant qu'à faire. Hein. Tout en qu'à foutre. Faut trouver la page manquante, l'eau. Eh ben, on va trouver la page manquante, l'eau. C'est un coffre, ça? Non, c'est quoi? L'énigme. L'énigme! Je sais pas si c'est la suite. Oh, y'a des minerais. Wesh alors! Bon, allez, ça devient chiant. Voilà. Voilà. Ça commence à bien me faire. Si je cherche le cas, j'en suis capable aussi. Le symbole suivant est sûrement caché quelque part dans les parages. Où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est le symbole? Ah, le coquin. Tu. Ah ça c'est de l'énigme. Ah c'est la suite du pont. Bon ça flotte ma coudre Hyperio je suppose et puis voilà quoi. Hein. Moi ouais, je suis un peu magicien ouais. Mes heures perdues quoi. Ouais c'est vrai ouais. Ouais c'est ça ouais. Oh, ça se one shot. Ah, mais ça se tourne à l'infini, non? C'est une blague? Oh là là, bah c'est bon, hein, il y a des matchmen partout là, et oh! Explorer! Pas de squelette sans tête en vue, mais rien ne m'empêche de me servir ici. Pouille, 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 pouille. Ok. Ah, ça c'est facile. Heureusement ça. Que Richard Shuka n'est pas tombé là-dedans. Action. Pas tombé dans la marmite quand t'étais petit. Ah, bah non, je vois. Ah, approche. Voilà. Ouais. Ah, attends. Par là. Bah. C'est pour les loots. Voilà. On est coquin. Un coffre intact. Richard Shuka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. Ah oui, c'est une merde. Ah, c'est ce qu'il voulait dire. Hein. C'est en langage sorcier, ça veut dire que c'est une merde. Je veux avoir accès à mon inventaire. Attends, je vais pas acheter ça. Pourquoi j'ai pas accès à mon inventaire? Ah. Tant pis, bon, ok. Oh putain, il est encore là-bas, dis. Action. On est gâté. Ah. Ouais mais c'était obvious hein, ça, on le sait ça.
Ah bah elles éclatent toutes quand on arrive, hein. C'est bizarre. C'est très bizarre, hein. Échec. Merde. Ça peut rien, c'est bon, ouais. Bah oui, je suis plein dans le jeu. C'est sûr, hein. Bah ça, c'est sûr, hein. On a de la merde là, faut on va virer ça là. Tant pis, on va pas les revendre, mais bon là. Bon. Voilà, 32, ça. Ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Ça se vend 200 peut-être, voilà. On met un coup de tri là, c'est bon là. Ah c'est bon là, ça m'a saoulé là. Voilà. C'est bon, j'ai de la place là, hein, c'est bon. Voilà. Et voilà, ça s'arrête là. Bon, très bien. Oh. Je me réjouis que Richard Shuka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi. Mais où est-il ? Action. Il est encore plus loin, il est au fin fond de la grotte quoi. Le mec a été au fin fond de... Oula. Hey, salut. Incendio. Voilà. Oh ouais, carré, carré, ouais. Pas de squelette sans tête en vue. Mais rien ne m'empêche de me servir ici. Mais tu l'as déjà dit. Il a déjà dit, Harry. Alors attends. Oui, c'est quel bazar encore ça. Le bazar. Un coffre intact. Richard Shuka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. Je l'ai déjà dit aussi ça, eh oh. Donc attends. Oh putain, c'est la plaque de tout à l'heure qu'il faut ramener jusque là. Ok, bon bah voilà, très bien. Pas de soucis. Et ben on y va. On a capté le gars, il a capté le gars. On se met là. Action. Hop là. Ah bah c'est pas l'ombre d'un con ça, ça c'est sûr. Ah bah saute pas. Voilà, voilà, rapproche-nous de demi-centimètre là qui manque là, voilà. Masque en céramique, oui. Ça. Et jusque là. Non, c'est... on a déjà fait là. On a déjà fait. Bah oui, c'est là que j'avais vu. Il avait vu. Non, on n'a pas été là. On peut là. Oui. Chapeau soleil, ouais, super cool. On a... C'est étrange. J'aurais cru que Richard Shuka se serait intéressé à ce but. Il y a aucune trace de vue. Bah c'est marrant, je pensais que j'avais une voice line un peu plus développée, mais en fait, j'ai que chi. Bah alors attends, c'est bien marrant, mais là... C'est bien comique le gars, mais bon... C'est pas par là, hein, mais... Ah non, ça passe pas, hein.
Ah, ça c'est donc bien, donc ça ok. Oh, c'est juste ailleurs, non, tout simplement. Ça c'était juste pour ma soute là. On n'a pas été par là, ouais. Voilà le pont. Il est presque terminé. Oh, ah, bah ça alors! Bravo. Ah, j'aurais peut-être pas du tout Merde. Ah, il va sous terre, donc on se tire, voilà. Merde. Ah mais il y en a un autre. Oh, il est bugué, on profite. Bravo. Bien joué. Oupa. Ouais, c'est bon. J'imagine que ces araignées se sont multipliées depuis le passage de Richard Shuka. Bon, encore une fois, hein, facile. Hein. Et un bon feeling, hein, le combat, hein, quand même. Je sais pas vraiment comment c'était les autres jeux Harry Potter, mais bon, quand JDG avait fait le test, là, bon, ça avait pas l'air d'être. Le symbole. Ah, where is the symbole? Ah, il doit être en dessous, non? Je pose, hein. Ah ah, je le savais. Je me réjouis que Richard Shuka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi. Mais où est-il? Et ben voilà. Pekka. Protego. Ah, tout neuf je le pont. Je dois plus être très loin du corps de Richard. Oh, il y a des gardes là. Oh là là. Oh, ça va pas être drôle. On se retrouve, Richard Shuka. Ah. Merci d'avoir protégé ces pages durant toutes ces années. La voilà, la carte qui a mené Shuka à sa perte. Après, rien ne m'empêche de... Oui, voilà, c'est bien ce qui... Il y a quelque chose au-delà de cette pièce. Non, mais il l'a pas vu, il a pas... Mon perso, il est un peu con, mais il a pas... Ouais, voilà. Oh putain, mais ouais, mais ce range là, leur atterrissage, c'est vraiment le... Ouais, c'est chiant. Voilà. Bon, allez, 3 là. Allez. Baguette, je manie la baguette.
le baguette. Allez, deux en même temps. Let's gang. Bon bah voilà. Bonjour à tous. Ah, fait ton atterrissage de super-héros. Voilà, bravo. Hop là. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon bah voilà, ça gère, ça gère. Impeccable. Juste... C'est bizarre. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, quoi? Et c'est un peu le son, parce que voilà, des fois quand il y a des scènes de combat, j'ai l'impression que le son est un peu... Voilà, bon. J'ai déjà vu ça. Gringotts est dans la réserve de la bibliothèque. Un Gringotts. Oh, c'est marrant. Oh, la magie! Où suis-je? Oh non. La salle est en train d'être inondée. Eh ben, bouge! Qu'est-ce qui me protège? Quelle sorte de magie est-ce donc? Mais c'est de la magie! C'est de la magie! Espérons que cette magie me protège jusqu'à ce que j'arrive à sortir d'ici. J'espère que cette magie va rester magique. Open the gate, voilà. Et voilà, c'est magique. Quel est cet endroit ? C'est magique. Et la map est incroyable, hein. L'univers. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des tableaux, ouais. Ok. Ça me paraît évident. Oh, serait-ce possible? Non, c'est un gag. C'est vous. Perceval. La salle de la carte a enfin été découverte. Je vous ai déjà vu dans une pancine. Vous êtes oui. Le professeur Rackham. Tout à fait. De l'asile. Oui, que je suis surpris de voir une si jeune personne me faire face. J'ai le même âge que vous aviez, Isidora Morganac et vous, quand vous êtes entré à Poudlard. Vous avez bien suivi, et j'imagine que nous partageons la même capacité. De voir des traces de magie ancienne. Oui, monsieur. Oui, comme monsieur. Comme vous l'avez sans doute compris, notre capacité nous fait bénéficier d'une relation unique avec toutes les formes de magie. Nous avons accès à des formes de magie que peu d'autres peuvent utiliser. Des opportunités se présenteront à vous pour vous permettre de perfectionner ce rare talent. Ne les gâchez pas. C'est entendu, professeur. Merci. Oui. Nous avons beaucoup à nous dire. Mais avant, vous avez trouvé cet endroit grâce à une carte cachée dans un livre. Placez-le sur le piédestal. Je n'ai pas le livre sur moi, monsieur. Eh ben, allez le chercher, voilà, bordel. J'ai bien peur que vous ayez d'abord besoin de revenir avec le livre. Putain de merde. Très bien. Je vais aller chercher le livre tout de suite. Bien. Nous reprendrons notre conversation une fois le livre sur le piédestal. Il n'y a pas un TP là pour venir là direct? Bon, parce que... Ah, poids de talent. Oh putain, la talent. Vous gagnez un poids de talent dès le niveau 5. Vous pouvez dépenser... Ah bon, on est niveau 19, donc... Ouais, 15 points de talent disponibles, ah bah voilà. Oh, c'est pour augmenter, ouais, bon, des arbres de compétences, ok. Bon, ça, on peut choisir, ok. Oh. Une CDO crée un sac de feu autour de... Oh là là. Ennemis à proximité. Ils sont également attirés. Ah oui, ah, c'est marrant, ça. Ah putain, ça peut tuer. Ah ouais, tu les emmènes là, puis après un petit coup d'incendio dans le trou du cul là. Oh oui. Je peux également l'éviter. Ouais, quand ça c'est vraiment pour la zone vers magie noire. Je fixe ça a le même effet qu'une maléfice sur les ennemis. Les ennemis maudits subissent des dégâts accrus.
Ok. En infligeant des dégâts à une cible maudite, les dégâts sont à tous les ennemis maudits. Ok. Ah mais si je commence à me battre en cours avec ça, et puis genre les profs ils vont tilter tout de suite. Non mais ils débrouillent bien. On verra après. Mais j'espère qu'il y a un TP, ouais, parce que bon, j'ai pas envie de reparcourir tout là. Bon, après, quelque chose me dit, quand on va revenir ici, ça va être Bagdad, mais bon. Oh, mais un point de TP, quelque chose, là. On va pas juste aller à l'école, prendre le bouquin, et puis revenir là, traverser là, et la grotte et tout, hein. Non. J'ai trouvé les pages et la salle de la carte. À quoi pourrait bien me servir ce livre? Oui, un TP, PK. Oh, c'est évident que j'aurais mis un TP quand même, j'aurais pas fait une faute comme ça, d'une telle ampleur. En même. Je suis revenu à Poudlard. Les gens. Je me demande quand reviendra le professeur Fig. Je lui ai promis de me rendre mes études pendant son absence. Oui, j'imagine que j'ai de quoi m'occuper d'ici à ce qu'il revienne avec le livre. Ah, bah il y a un machin. Et il monte ou il descend? C'est par là. Merde. Non mais moi dès qu'il... Merde. Ah c'est de la concentration là. Hein. Allez. Voilà. Vous devez apprendre à répulser. Le sortilège d'expulsion. Il est très utile pour repousser des objets ou des adversaires. Accomplissez les tâches nécessaires et retrouvez-moi dans ma salle de classe. D'accord. Eh ben encore un devoir. Allez, super. Rébellion. J'ai que ça à foutre. Eh ben oui. On me parle toujours pas de balai. J'ai envie de Guillaume. Et je suis encore full. C'est pas vrai, bordel de merde. J'en ai marre d'être plein dans le jeu. 58, ok. On revendra après. Bon, ça se vend, ok. On va détruire des trucs. Là, ça me casse les couilles d'être plein. Ça compte 3, bah oui, voilà. On a une belle gueule comme ça, mais bien. Une très belle tronche, le gars. Ah, ça c'est de la merde ça, voilà, les trucs de gueux là on en veut pas, hein, pas besoin. Hein. Haute forme machin, il est bloqué, de toute façon on en veut pas, hein, sale merde. À 150, non, attends, voilà. On a fait un peu le vide là, c'est bon là. Pas fait entièrement parce que j'aimerais bien revendre quand même. Objet pour coût non identifié. Oh bah ça c'est la meilleure ça. Oh bah ça c'est la meilleure. Bon, ça c'est sûr. Ouais. Bah attends. On l'a vu? Alors, attends. J'ai oublié de mettre la marque. Oh là, la porte là, c'est la magie, non mais c'est magique. Il y avait ça avant les cercles là. Oh oui, le balai, oui. Oh let's go. Oh oui, balai, oui. En cours de vol, j'avais pas vu le cours de vol, oui. Oh let's go, on va commencer, oui. Que l'on puisse commencer. Ah ouais, je suis le seul connard sans balai. Concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. Bonjour. Bon, ne faites pas gaffe à sa tenue. Concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion.
Certains, oui. Je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Ouais, ils font pas le ménage chez eux, hein. Ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce coup. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan. Si vous avez continué à vous entraîner pendant les ils te font balai pour être heureux, il y a pas de souci. Ouais, non mais non mais. Avancez vers votre balai, dites debout d'une voix assurée. Debout. Ensuite, comme Pécresse. Et asseyez-vous dessus. Faut s'asseoir dessus. T'as compris? Debout. Debout. Merci. De rien. Bien. C'est à vous. C'est à vous. Debout. 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 Saleté de balai au rabais. Saleté de balai de merde, va. Voilà. Merde. Attendez, on prépare une blague. Debout. Debout. Ça marche. Let's go. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Bon, c'est une blague facile, hein. Si je suppose qu'il y en a, il y en a sûrement d'autres qui l'ont fait, voilà. D'autres personnes de bon goût, bien sûr. Par contre, le bout du balai, il faut pas s'asseoir dessus, hein, parce que, hein. Je viens de voir, là. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Putain, on va voler, ça y est. Bien. Pour votre première leçon, voler à travers chaque anneau de la cour. Ok, bon, ça lague un peu. Ces balais sont là. C'est le temps que le jeu se démarre. Je veux les revoir en un seul morceau. C'est génial. Ouais, mais il y a 4 touches, hein. Excellent. Bravo. On peut passer à la deuxième. Et où le levier de vitesse là? C'est où? Mieux votre balai. Voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice. Le bout du balai, mieux vaut l'éviter. Bah oui. Ah, bref. Il y en a un, ça gênerait pas, mais. Faut pas dire de non. Ce nouvel ensemble d'anneaux. Ah oui, ça y est. Putain, ça y est, ça y est. Là, on joue au jeu là. Là, ça y est, c'est le jeu là. Ça y est. Oui, 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 oui. Bonjour. Ah bah allez, on sèche les cours là, ça y est, hop là. Bon, mon balai, il n'y a pas de... Il n'est pas RGB quoi. Jackie, ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. J'ai pas dit Jackie, mais... Enfin, bref. Bah, l'ultime trace là, attends. Moi, je faisais le sgeg là, mais attends, attends, on peut pas prendre l'inspi là. Je me mets derrière lui là, est-ce qu'il y a, il y a la notion d'inspiration ou c'est que dans les bagnoles? On prend des villages chéris, attends, les villages. Pfff, virageux. Ah, ah, il est marrant, hein. C'est marrant, il y a le Kraken là, tout va bien. Génial. On peut pas accélérer encore plus? Ah, toujours plus de vitesse. Ah bah ouais, mais l'autre, il y a l'autre bout, là. Bravo. Hey, je peux te parler? Oh putain, non, il y a une voix déjà de merde, là, il va être casse-couille. Il frime, en plus, là. Allez, vas-y, avant, fais la course, ouais. Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. T'as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Hmm. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. On ne s'est pas présenté. Je suis Everett Clopton. Je pense qu'un griffon d'or comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe? Pff, concours de 8. Comment je pourrais refuser? Qu'est-ce que tu as en tête? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Ouais. Suis-moi. Non mais je suis obligé de suivre, mais putain, on va encore perdre des points. Je vais faire perdre des points à mon école, la merde. Nous sommes en train de survoler la cour de métamorphose. Toujours aussi charmante. Cool ta vie. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. Moi je passe par là. Je vais descendre pour entrer. Bah c'est bon, oh. On peut pas rigoler là. De tout contempler d'ici, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Poufsouffle donnent dessus. Mais je m'y sens un peu à l'étroit. Pour voler aussi vite.
Ah oui, mais il y a un autre balai, lui. J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ok. On fait un peu de Razmoth. Oui, Everett, mais tiens, j'avais pas fait la blague. Eh ben si, quoi, il faut... Mon cruel devant son... Oui, mais tiens. Non mais voilà, si... Il y en a qui ont la dalle ici, hein, voilà. Je crois pas que vous soyez au bon endroit, hein. Il y a des sites pour ça, hein. Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite guidée, Everett. Et on va se faire... Il y a la sifflée. Non mais regarde comme il trace l'autre là, ça va là, mais putain. Bah ouais, bah non, moi j'ai qu'un, ouais, j'ai qu'une vitesse moi. Le tour est déjà fini, j'ai l'impression. Dépêchons-nous d'aller rendre nos balais. Non mais je veux pas rendre le balai là. C'est bon là. Alors où étiez-vous tous les deux? C'est lui. Oh bonjour professeur, on essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car, car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Eh bah, je sourirai quand tu m'auras dit que tu m'as pas enlevé de points dans mon école, sale. Bon. Voilà. Désolé pour l'histoire avec Kogawa. Non, mais déjà hier, là, le mec, il me demande de piquer un ingrédient en scred et du coup, il nous fait perdre des points à Gryffondor, là. Puis en plus, il est aussi de Gryffondor, cet enculé, là. Putain. On est où, là? Oh. Bon. Pas fait une part d'ennui, voilà. Mais on a eu des ennuis et Kogawa pourrait nous en vouloir. Voilà. Pas de chance. Je pensais pas qu'elle nous verrait. Mais toi, même pas, je te calcule, je te dis, je te donne pas l'heure là, vas-y. Un ou deux trucs si j'avais mon propre. Non, bah vas-y, ferme ta gueule, moi je skip ton dialogue là, j'en ai rien à foutre de ta gueule là, voilà, vas-y là. Sale le bâtard là. Tiens. On va te mettre le faux au cul là. Où est le Nimbus 2000? Vous avez la ref, les gens, quoi? Vous avez la ref, la team? J'ai toujours pas. Bon, ben voilà, bon, ben c'est cool, hein. Mais bon, je pensais que c'est bon, c'était acté, on avait notre balai, quoi, mais bon. Qu'est-ce que secrète? Ah, bah, enfin, là, elle est pas si secrète que ça, là. Elle est en gros. Elle est en gros sur la carte, quoi, enfin. Bon, j'ai une quête en fou. Ah, fait, en fou. Comment ça s'est passé? Discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. Les forces mal. Non mais je veux pas encore me faire trop le méchant, c'est pas tout de suite. Le jeu qui te fait ça là. Eh hey, non mais tu peux devenir méchant là, si tu veux là. Vas-y là. Vas-y là. Marrant. Guide du sorcier, bien dans le couloir du 7e étage dès que possible. Je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme, à l'écart des regards curieux et des distractions. Je vous en dis. Professeur, que pouvez-vous me dire sur votre travail au ministère? Votre. Mais c'est pas. C'est une bonne. Mais attends, mais c'est pas. Ah merci, c'est ça, quête, ok. Nouvelle quête disponible. Oh putain, je parie que c'est à l'étage. Entre Sébastien, non mais attends, on veut faire les cours là. On focus les cours, on veut le balai là. On veut le balai là. Oh putain, c'est juste là, merde. Bon bah tant pis. Oh, pardon. Sébastien, ça faisait longtemps. En effet. Content que tu aies reçu mon hibou.
J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voulais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scribe a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncé à ma place. Ce n'est pas rien. Oui. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais ? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Par ici. Il y a un passage secret juste ici. Il est bien caché. Cours. Comment as-tu trouvé cet endroit ? Grâce à mon ami, Ominis Gaunt. Il appelle cet endroit la crypte. Rebellion. Je jouais souvent au Bafboul ici, avec ma sœur. Ah oui. Anne. Elle adorait ce jeu infernal. Je donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Écoute, j'ai perdu sa sœur. Pour protéger cet endroit. Alors, il faut que ça reste entre nous. Il ne se confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance depuis le Shabbat jour où nous nous rencontrés. C'est quel sort ça, Shabbat Shalom ? On se faufilait ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre. Pourquoi tu manges ta marque de soirée échangiste ? Non mais c'est que pour les stats, hein. Je crois avoir vu Ominis en cours de potion. C'est qu'une question de stats, hein. De botanique. De club. Tu t'as l'air bien renseigné, visiblement. Ouais. Mais je ne sais pas comment il fait. Ominis est né aveugle, et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. Oui. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit. Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Comme disait Gaëtan tout à l'heure, hein, c'est comme pour les filles, hein, c'est la baguette qui choisit la... J'ai entendu quelqu'un d'autre en parler. La sorcière. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète. Bon. Mais ne dis rien à personne. Enfin bref. Et encore moins à Ominis. Ne te prépare pas pour la soirée chez Jackie, famille, non mais ça va aller. Hein. Mais cet endroit lui est cher. Moi je n'échange rien. Hein. Mais pourquoi Ominis n'apprécie pas sa famille ? La famille de son père descend directement de Salazar Serpentard. Salazar ! Salazar ! La plupart d'entre eux sont obsédés par la pureté du sang. Ominis ne les supporte pas. Il sera le premier à te le dire. Oui, c'est la baguette. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Bah ouais, voilà, Clem, elle a vite compris, hein, visiblement. Quelques sortilèges interdits. C'est bizarre. Comme quoi ? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. C'est ridicule. C'est très grave. Non, ça a l'air dangereux. Non, mais... L'enseignement magique devrait concerner tous les types de magie. Mais oui, tout. Je suis tout à fait d'accord. Un sort comme Confringo n'est dangereux. Le Bachelum, c'est la formule pour égaliser les queues. Le sort devrait être enseigné. Les asperges. Pour être honnête, oui, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Ah, tiens. Mais tu devrais l'apprendre. Ah bah oui, moi je veux bien l'apprendre. Ici. Oui, c'est safe, hein. Et je suppose qu'une explosion, ça ne s'entend pas dans un château, hein. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Et Confringo, et Domingo. Et Domingo. Ok. Et le Z. Vous pouvez me dire, hein, fais un Z, ça marchait aussi. Tu progresses. Et là, comme tu parles. C'est pour de vrai. Vise seulement les cibles, en revanche. Mieux vaut ne pas endommager la crypte. Essaie sur ces candélabres. Même si chacun de ces sorts a son utilité, tu verras que Confringo a une plus longue portée qu'Incendio. Ah, une plus grande portée que... Ouais, ça c'est bien ça. Mais du coup, c'est plus pratique. Confringo ! Bravo ! Comment tu te sens ? Oh, je me... brûle un peu. Oh, je me sens... Voilà, vas-y là, vas-y. Voilà, voilà, c'est bien, voilà, ouais, c'est bien, ouais. Oh bah là. Oh, si on va devenir méchant, on va devenir méchant. Bon, je me casse, sinon ça va me spoil. Non mais te casse pas pour les stats. Non mais on va aller se balader, puis de toute façon on va pas tarder, donc voilà. Avec le masque, on dirait le mec dans le film de Halloween. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore Bah, Halloween, non, il ressemble pas à ça. Il s'appelle le méchant de Halloween. C'est pas... Non, c'est pas Baker. C'est pas ça.
Ah, je vais apprendre d'autres sorts comme celui-ci. C'est exactement le type de magie que j'espère apprendre. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Ça fait longtemps que je m'entraîne à ce genre de sort. Même si je n'ai pas tout dit à Anne et à Ominis. Ominis. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolé pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit... La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour... Ah, si je peux faire quoi que ce soit, bon, au pire, je peux lui refaire une sœur. Et... Ah, j'en serais ravi. Préviens-moi et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison. En fait, Joe Clément, 5 minutes. Mon oncle Solomon. Malheureusement. Non, mais voilà, elle est gentille. Elle est gentille, Clément, c'est pas méchant. Je suis sûr que rencontrer un nouvel élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. J'imagine que ça a un rapport avec ce que tu m'as dit, à propos du porte au loin. Ouais, il manquait deux pages, quoi. Ranrock. Eh bien, rien ne t'échappe. Et oui, c'est ça. Et comme tu dois t'en douter, ça ne s'arrête pas là. Je t'écoute. Pff, oh, c'est chiant. En fait, il nous a déjà... On s'est fait caler à la bibliothèque et puis genre, il a pris pour moi aussi. Alors, bon... Est-ce que vu qu'il est... Ouais. Ouais, vas-y. Tu dois me promettre de ne rien dire. Hey. Je t'ai fait confiance. Jure, voilà Nadim. Hein, mais là, vraiment, là. À ton tour, maintenant. Très bien. C'est celui qui devant soi. Je vois des traces de magie ancienne. Une magie ancienne? Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, je l'ignore. Ça veut dire qu'une magie plutôt ancienne, j'arrive à la distinguer visuellement. Voilà. Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier? C'est ce qu'on essaie de découvrir. Et cette capacité que tu as, elle te permet aussi de manier cette magie? Je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Quand tu auras décidé. J'étudie la magie archaïque depuis un sacré bout de temps. Peut-être qu'on pourrait s'entraider. En attendant, puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner au maléfice explosif. Oh bah, ne t'inquiète pas. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Quand j'irai à Feldcroft, je t'enverrai un hibou. Confringo. Joli, joli, joli. Le 14 juillet. Impeccable. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Oui. Ah bah, ça a beaucoup plus de portée que Infedio là. C'est pas vrai. Ah bon bah. Ouais, Gaëtan vient d'arriver, voilà. Salut, c'est Sébastien. Attends... Oh, c'est pas vrai. Je t'entends. Oh, bonjour. Ah bah voilà, Malfoy, là. Je crois qu'on est ensemble en cours de potion. Et de potage. Voilà, Nadim. Je reconnais cette voix. Je vous ai entendu parler, Gareth Weasley et toi, en cours Arigato, de potion. Arigato, comme dirait. Je suis un recrue de 5e année. Tu viens de sortir de la crypte? Comment tu as fait pour entrer? Oh, il est chiant lui, j'ai envie de lui mentir à lui là. Oh, c'était un hasard, ouais. Cette salle s'appelle la crypte. Ah, j'explorais les environs quand j'ai trouvé par hasard un passage. Oh, ne mens pas. Personne ne trouve cette pièce par hasard. Sébastien t'en a parlé, c'est ça? C'est ça. Un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit. Même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. C'est là comment t'as écrit, Anderlin? La guéguette? Gaëguette. C'est la guéguette. Regarde comment il a écrit. On se moque. Inutile de me menacer, je veux dire à l'autre. Toi, t'as pas de film avec ton école, connard. Et Sébastien, c'est bon là, ami fidèle. C'est juste le somme. Pas besoin d'imaginer toujours le pire. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Ah oui. Je voulais dire. Je sais ce que tu veux dire. Oh là là, mais je vais t'en. Sébastien s'attire assez d'ennuis tout seul. Il n'a pas besoin de toi.
Mais putain, mais... Moi, je domine le trou du cul, là, hein. T'as le bâtard, là. Ouais, va à la crypte, ouais, c'est ça, ouais. T'as le bâtard. Il veut quoi, lui? Ouais, ouais. Non, coucou le grand homme, t'as, ouais, ça va. Ah, Louis qui veut forcer Clémence à boire à la soirée, ouais, d'accord. Il y a plus discret quand même, hein, Louis. Confringo. Oh bah c'est bon, on peut pas exploser les serrures, hein, non, hein. Non, c'est seulement le sort pour crocheter, hein, bien sûr. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est une licorne, un loup-garou, j'avais pas fait gaffe. C'est stylé quand même. Hein. Je suis sur le podium, je ne suis... Moi je suis... Ah oui. Super. Bon bah voilà, hein. On va s'arrêter là-dessus. Puis voilà quoi. C'est bon. Voilà tout. Il se passe ce que j'ai dit. Bon allez. Allez, bisous, bye. Super cool. Bonjour Kamel. C'est Zizou. C'est Bouzou. C'est Bouzou Badi.